Bien, mesdames, messieurs, chers amis, merci d'être venus aussi nombreux dans ce magnifique lieu qui nous accueille. Et je vais tout de suite passer la parole à Monseigneur Jérôme Beau, qui nous accueille, qui est le président du Collège des Bernardins. Merci beaucoup d'avoir choisi le Collège des Bernardins pour cette célébration. Monsieur le président du Comité français pour Yad Vashem, monsieur l'ambassadeur de Hongrie, monsieur le ministre plénipotentiaire à l'ambassade d'Israël en France, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir pour cette célébration où vous allez remettre la médaille des justes à Gita Malas. Beaucoup d'entre vous, vous la connaissez. J'ai pu, en parcourant les rangs, recevoir quelques témoignages et je sais combien la présence de beaucoup d'entre vous est une présence qui porte une grande partie de leur histoire et des moments importants de leur histoire. Je veux saluer d'une façon tout à fait chaleureuse sa petite nièce, Andrea, qui est avec nous et qui va recevoir en son nom cette médaille. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir ici pour cette célébration. C'est un grand honneur pour nous. Et c'est particulièrement important pour le Collège des Bernardins de pouvoir accueillir votre célébration. D'abord parce que je crois que non seulement il est important de transmettre la mémoire de la Shoah, mais si nous voulons qu'il y ait un vrai plus jamais ça, il faut aussi transmettre le courage, parce que le courage, ça s'éduque. Le courage, ça puise ses racines dans les témoignages du courage des générations qui nous ont précédés. Et il me semble que dans le témoignage du courage de Gita, il y a aussi la force pour que des hommes et des femmes de courage se lèvent dans notre monde pour lutter contre tout antisémitisme, pour lutter contre tout racisme, pour lutter contre tout ce qui détruit l'homme. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important pour nous de vous accueillir au Collège des Bernardins, c'est que nous travaillons, en partenariat avec un certain nombre d'institutions juives en France, pour justement continuer de construire cette relation d'amitié entre catholiques et juifs. Et il me semble que si le courage doit être transmis de génération en génération, l'amitié est une des plus grandes valeurs et une valeur qui se construit de génération en génération. Et je suis heureux que le Collège des Bernardins soit au service de cette amitié qui a été construite dans les années passées et qui continue à se construire aujourd'hui pour la paix et que pour que l'amitié puisse sans cesse régner entre catholiques et juifs dans l'avenir. C'est un vrai chemin de joie et il me semble que cette remise de la médaille des justes fait partie de ce chemin de joie et c'est pour nous un grand honneur que vous soyez rassemblés ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir choisi le Collège des Bernardins pour cette célébration. Maintenant, va s'adresser à vous le président du Comité français pour Yad Vashem, le docteur Jean-Raphaël Hirsch. Monsieur le Président du Collège des Bernardins, Monsieur le ministre plénipotentiaire d'Israël, Monsieur l'ambassadeur de Hongrie, cher André Roudot, ancien ambassadeur de France en Hongrie, cher Andrea Malas, cher Dorit Zak, cher Monique Guillemin, cher Imre Bok, chers amis de Gita Malas, chers amis. Merci tout d'abord, Monsieur le Président, de nous accueillir dans ce lieu magnifique
chargé d'esprit de tolérance et de dialogue fraternel et de culture. Merci à toute votre équipe, à ceux qui ont pu et su rendre cet événement possible. Je suis heureux de m'associer à cette cérémonie d'hommage très particulière, puisque en effet c'est en France, à Paris, que nous allons honorer Gita Malach, bien que l'action de sauvetage, qui mérite notre reconnaissance, se soit déroulée dans son pays, la Hongrie. Mais tout à l'heure, Anne-Marie Revkolevski nous en donnera les raisons. Au nom du comité français pour Yad Vashem, je souhaite par quelques mots préciser, pour ceux qui ne sont pas familiers, ce que représente Yad Vashem, le sens de cette cérémonie, en hommage aux justes parmi les nations. Yad Vashem, un nom tiré du chapitre 5 du prophète Isaïe, et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial Yad et un nom Shem qui ne seront pas effacés. Le mémorial national des héros et des martyrs de la Shoah, édifié sur une douce colline qui domine Jérusalem, sur le mont du souvenir à Jérusalem en août 1953, et développé depuis lors, a pour mission tout d'abord et avant tout de perpétuer le souvenir de près de 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945. Aussi d'honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage. Enfin, enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et les génocides à travers le monde. Yad Vashem est un lieu exceptionnel. On y découvre la profondeur, la dimension d'un désastre, la destruction des Juifs d'Europe. On y médite sur la barbarie dont les hommes ont été capables au XXe siècle, sont capables. On y lit toute l'histoire de la Shoah, les noms des principaux lieux d'extermination inscrits dans sa crypte, les murs de pierre où sont gravés les noms de plus de 5000 communautés juives anéanties, les places et monuments célébrant les héros des ghettos et des partisans. On y découvre le bouleversant mémorial pour les enfants. Et là, en souvenir de 1 500 000 enfants juifs assassinés, quand on pénètre dans la crypte sombre, la gorge se serre et le souffle s'arrête. Yad Vashem, c'est aussi un centre de documentation avec des millions de pièces d'archives, un centre international d'enseignement et de recherche. Et il est frappant d'y voir des centaines d'historiens de tous les pays du monde, d'étudiants, d'enseignants. C'est aussi le lieu où l'on rend donc hommage aux justes parmi les nations, dont les noms sont inscrits sur les arbres qui bordent l'allée des justes ou gravés sur les murs de pierre. Mais qui sont donc ces justes parmi les nations ? Eh bien, au moment où se déroulait la Shoah, quand la majorité des Européens gardaient le silence sans intervenir, alors que d'autres collaboraient activement avec les nazis, certaines personnes non-juives choisirent de sauver des juifs en danger en prenant des risques personnels. Gita Malach fut une de celles-là. Alors l'État d'Israël, créé par l'Organisation des Nations Unies en 1948, et Yad Vashem décidèrent en 1963 de leur rendre hommage et de leur attribuer ce titre, le titre de juste parmi les nations. C'est la plus haute distinction civile de l'État hébreu, attribuée par une commission présidée par un juge de la Cour suprême de l'État d'Israël qui honore ainsi ceux qui ont aidé les Juifs menacés de mort, de déportation vers les camps de concentration. C'est juste qu'ils savaient qu'ils risquaient leur vie, leur sécurité, leur liberté, car les nazis considéraient l'assistance aux Juifs comme un délit majeur. C'est juste n'ont bien entendu demandé aucune récompense ou compensation matérielle en contrepartie de l'aide apportée, en contrepartie du sauvetage. Et pour qu'il soit ainsi reconnu, il faut que le sauvetage soit confirmé par des personnes sauvées ou attesté par des témoins directs. Et ceci est fait très rigoureusement. Cette aide a pu revêtir, bien sûr, des formes très diverses. Héberger un juif chez soi
ou dans des institutions laïques ou religieuses, aider un juif à se faire passer pour un non-juif en lui procurant des faux papiers d'identité ou des certificats de baptême, aider les juifs à gagner un lieu sûr, notamment les accompagner et accompagner leurs enfants dans des périples clandestins, aménager des passages aux frontières et même adopter temporairement des enfants juifs pour la durée de la guerre. Chaque cas est ainsi présenté à Yad Vashem Jérusalem par des survivants juifs et l'un des rôles de notre comité français est de recueillir pour la France ces témoignages, d'instruire le plus précisément possible la demande de reconnaissance du titre de juste pour que Jérusalem soit alors en mesure de décider de la pertinence avérée du sauvetage. Ainsi, au 1er janvier 2011, près de 24 000 justes ont été reconnus à travers le monde. Il est sûrement loin de la réalité car beaucoup ne se sont jamais fait connaître ou ne furent jamais révélés du fait de la disparition même de ceux qui avaient été aidés. Toutefois, quelques chiffres. En France, au 1er janvier 2012, plus de 3 500 justes parmi les nations reconnues. 5 100 en Hollande, plus de 6 200 en Pologne, 764 en Hongrie. Mais les prochains orateurs, et notamment Nicolas Roth, membre du comité français de Yad Vashem, et lui-même déporté de Hongrie, reviendra là-dessus. L'action de Gitam Malas, chacun le devine, en est d'autant plus remarquable. Le héros n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. C'est au contraire quelqu'un qui surmonte sa peur et qui fait ce qu'il croit devoir faire pour le bien et qui le fait au bon moment. Je souhaite ajouter aussi que cet hommage que nous rendons aux justes parmi les nations revêt une double signification éducative, car ces justes prouvent que même dans des situations d'intense pression physique et psychologique, la résistance est possible et morale, car la reconnaissance envers ceux dont la conduite est exemplaire est un devoir. C'est aussi parce qu'ils ne souhaitaient pas être honorés, considérant n'avoir rien fait d'autre que leur devoir, que ces justes sont restés comme ça, parfois jusqu'à ce jour. Mais bon, Gitam Malas, dont nous allons à présent parler, faisait parmi de ceux-là, même si d'autres la conduisirent à rester silencieuse sur le sauvetage de plus de 100 femmes et enfants juifs. Le titre de juste parmi les nations lui a été attribué par Jérusalem afin que son action soit reconnue en toute justice. Merci aussi, Madame Zach, d'être venue de Londres exprimer votre reconnaissance au nom de votre mère, aujourd'hui disparue, qui fit partie des femmes sauvées par Gitam Malas, et d'avoir souhaité que votre fils Alexandre vous accompagne et qui, lui, est arrivé d'Australie. J'espère que nous saurons demain faire connaître cette action, bien sûr, à tous ceux qui admiraient Gitam Malas, pour d'autres raisons, mais surtout que nous parviendrons à la faire reconnaître demain en Hongrie, surtout pour les jeunes générations que vous représentez, cher Alexandre et cher Andréa Malas, vous, sa petite nièce, venue pour cette cérémonie de Budapest, et je ne doute pas que l'ambassadeur Troxani, monsieur l'ambassadeur, vous nous y aiderez. Auschwitz marque dans l'histoire des hommes un tournant absolument formel. Et le philosophe Hans Jonas a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz ». Y a-t-il un progrès humain ? Eh bien, au plus noir de la nuit, les justes parmi les nations nous ont au moins légué l'espérance. Le peuple juif n'oublie pas. Merci, Madame Guitaz, et merci à votre souvenir. Qu'il soit béni. Chers amis, nous allons maintenant passer la parole à Nicolas Roth. Nous avons pensé qu'il était important, avant de parler de Gitam Malas, que vous écoutiez ce qui se passait en Hongrie à l'époque pour comprendre combien l'action de Gitam Malas était héroïque. Et Nicolas Roth a été lui-même déporté de Hongrie. Il vous expliquera dans quelles conditions, mais il évoquera d'une façon beaucoup plus générale comment la Hongrie est arrivée à laisser
les Juifs être déportés dans ces conditions à la fin de la guerre, alors que la guerre était quasiment terminée. Et c'est vrai qu'au comité français pour Yad Vashem, nous avons pensé qu'il était le mieux placé pour vous expliquer ce qu'il a vécu, mais en même temps ce que l'ensemble des Juifs de Hongrie ont vécu avant qu'ils furent massacrés. Monsieur le président du collège des Bernardins, monsieur l'ambassadeur d'Hongrie à Paris, monsieur le ministre péripotentiaire d'Israël à Paris, messieurs, mesdames, je vais essayer de vous transmettre mon vécu, comment nous, les Juifs d'Hongrie, en 1944, nous étions éliminés de la vie d'Hongrie, tout simplement parce que nous sommes nés juifs. Pour expliquer dans quelles circonstances Gita Malas a pu sauver plus de 100 femmes et enfants juifs à Budapest, dont je vais essayer de vous transmettre en partie mon vécu. Les Allemands ont envoyé l'Hongrie le 19 mars 1944. À l'époque, j'avais 16 ans. Et je vis à Debrecen, dans une famille juive religieuse. Aujourd'hui, Debrecen, c'est la deuxième grande ville d'Hongrie. Le 27 juin 1944, ma mère, mon père, ma sœur, nous serons déportés vers Auschwitz-Birkenau. Ma mère, mon père, ma sœur seront mis dans la mauvaise file. Ils seront gazés à leur arrivée, comme les 450 000 Juifs déportés des provinces hongroises entre 15 mai et juillet 1944. Les Juifs de Budapest, épargnés jusque-là, auront un sort différent, mais des milliers périront aussi. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre l'engrenage des événements. Pour la Hongrie, la fin de la guerre 14-18, c'est la fin de toute une époque. L'Empire austro-hongrois est démembré par le traité de Versailles en 1919, puis en 1920, lors du traité de Trianon, la Hongrie est réduite à un tiers de son ancien territoire. Après quelques mois d'une dictature communiste, un régime extrême droite et antisémite s'installe avec sa tête l'amiral Horthy, nationaliste, qui s'autoproclame régent dans le secret dessein de restaurer la grandeur du pays. Cette même année, le Parlement hongrois vote la première loi antisémite dans l'Europe du XXe siècle, un numerus clausus, qui limite drastiquement l'entrée des Juifs dans les universités. La politique antisémite s'installe. Dès ce moment-là, les Juifs hongrois deviennent des citoyens de deuxième ordre. La génération de mes parents ne peut pas le croire et ne veut pas l'admettre. Ils se considèrent comme des citoyens fidèles de la patrie. Eux qui se sont battus pour elle, que ce soit lors de la révolte de 1848 contre la domination des Autrichiens, les Habsbourg, ou en 1914-18. Dans nos maisons, on continue de se rassurer en se racontant des faits de guerre de nos pères, oncles et grands-pères. Pourtant, Horthy, allié d'Hitler et de Mussolini, décrète de plus en plus de lois antisémites. Prélude de la Shoah, 1938. 1939, 1941, exclusion, spoliation, expulsion, interdiction de mariage mixte. Les lois se multiplient. Des centaines de milliers de Juifs se retrouvent à la rue. Il faut savoir que dans les grandes villes, surtout à la différence des Juifs de Pologne, par exemple, les Juifs hongrois très patriotes, souvent éloignés du judaïsme religieux, étaient très intégrés à la société hongroise. En tout cas, le croyait-il, car cette fois,
ils sont désignés explicitement, à l'instar des lois allemandes de Nuremberg, comme de race juive, comme le sont aussi les 100 000 juifs qui s'étaient convertis au christianisme, un phénomène spécifiquement hongrois, souvent plus ailleurs pour intégrer la société que par conviction profonde. Et face à ce sentiment d'exclusion et de la fascisation de la Hongrie, on trouve aussi à l'époque des mouvements de jeunes sionistes de gauche et laïcs pour lesquels reconstruire un État juif en Palestine est la seule solution. Mon frère, parti en 1935 en Palestine, était de ceux-là. Confronté à des discriminations et humiliations, les gens autour de moi continuent de penser qu'il s'agit d'excès de politiciens opportunistes au pouvoir qui vont disparaître à courte échéance. Ils voulaient tellement le croire. Pourtant, les Juifs de pays, renvoyés de l'armée régulière en 1940, sont mobilisés dans le mousse, le bataillon de travaux forcés. Ils sont en civil. Ils portent un large brassard jaune en haut du bras gauche, ou blanc pour ceux qui sont chrétiennes, mais de race juive d'origine. En 1941, l'Hongrie, alliée de l'Allemagne, participe à la guerre contre la Russie soviétique. Des dizaines de milliers de juifs de mousse, de bataillons de travaux forcés, sous les ordres des militaires hongrois armés, sont envoyés sur le front russe, sans armes, et sur les premières lignes pour être tués au plus vite. Plus de 30 000 juifs sont ainsi tués en 1943. La plupart de mes cousins en faisaient partie. Dans notre ville de Debrecen, autour de moi, c'est le désespoir qui commence, et pourtant à aucun moment on n'entend parler de déportations qui se déroulent dans l'Europe occupée. Moi qui écoute le BBC et la Voix d'Amérique, moi qui écoute les conversations de mes parents et de leurs amis, passe une seule allusion à l'extermination des Juifs qui se poursuit. Et quand les Juifs slovaques ou polonais, réfugiés en Hongrie, viennent essayer de raconter, on les fait taire. Ce qu'ils racontent est insensé. Ils cherchent simplement de nous terroriser. Des années durant et jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais pardonner aux alliés de nous avoir laissés dans cette ignorance. Mais si nous ne savions pas, Horthy, lui, il savait. Arrive alors la date fatidique de 19 mars 1944, les Allemands sont là et avec eux Eichmann. On a entendu la nouvelle à la radio. Franchement, autant que je m'en souvienne, les premiers soldats en uniforme allemande que j'ai aperçus le 21 mars, les soldats de Luftwaffe, se promenaient dans les rues de la ville tranquillement, paisiblement. J'ai été un peu rassuré, mais pas mes aînés. Qu'en pensaient les Hongrois? Au début, rien. Les Allemands sont nos alliés. Ils sont arrivés. Sûrement qu'il y a une raison pour ça. C'est sûrement à cause des Russes, les bolcheviks qui s'approchent à nos frontières. Mais les choses ont rapidement changé. Deux ou trois jours, nos locaux ont cessé de paraître. Le troisième a titré sur la première page des slogans violemment antisémites qu'auparavant on entendait des nations hongroises, les croix fléchées qu'on appelait les Nilaches. Deux ou trois jours plus tard, le 22 mars 1944, des ordonnances concernant les Juifs sont publiées. Jour après jour, radio, téléphone, voiture, appareils de photo, même les vélos sont confisqués. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'inquiétude monte. Les comptes en banque doivent être déclarés. Ils sont bloqués. Les voyages sont interdits. Des dizaines de Juifs de communauté sont arrêtés comme otage et interné une vingtaine de kilomètres de la ville. Dans la ville, tout restait pourtant encore calme. On aperçoit rarement les Allemands, quelques véhicules traversaient parfois la ville.
Mais 15 jours après, le port de l'étoile jaune nous est imposé. Les Juifs de quartier évitent de sortir. Les journaux habituels ne paraissent plus. Et toutes sortes de nouvelles circulent. De nombreuses boutiques et magasins ont le rideau tiré. Vers le 10 mai, nous sommes prévenus que toute la population juive de la ville doit emménager dans le ghetto. Tout est réglementé. La date de notre départ, comme ce que nous pouvons emporter. Nous partons, tous les quatre, avec ma sœur et mes parents, laissant tout derrière nous, emportant seulement quelques provisions. Avec quelques 9000 personnes, nous rejoignons le ghetto. Nous restons 10 ou 12 jours. Et ensuite, en 2 heures, nous déménageons dans le grand ghetto. 2 heures, pas une minute de plus, hurle l'officier de police. Nous trouvons refuge chez l'oncle Maurice, dans un petit appartement. Ils sont 8, nous sommes 4. Les enfants, nous dormons sur des matelas par terre. Le matin, je dois me présenter dans la cour de l'école. On est plusieurs centaines. Nous partons par groupe en ville pour différents travaux. À la sortie de ghetto, un policier en uniforme ou un soldat hongrois en armes nous accompagne jusqu'au lieu de nos activités. Nous avons 14, 15, 16 ans. Nous parlons avec nos gardiens en hongrois et cela se passe plutôt bien. Non qu'ils aient de sympathie pour nous, mais le simple fait qu'ils ne nous appellent pas des youpins, mais « Allez des garçons, il faut se remuer », on leur en est reconnaissant. Partout dans la ville, on nous regarde avec indifférence, quand on nous regarde. Mais l'impression qui me donne la ville vidée de ses habitants juifs, étrangement calme, et sinistre, les souvenirs des années passées dans ces mêmes rues nous reviennent, nous meurtrissent. On avait envie de crier, hurler. Mais pourquoi? Mais après qui? Je me répète, nous n'étions pas préparés pour comprendre tout cela, ni par nos parents, ni par nos enseignants. C'était tout au contraire. Pendant des années de scolarité, on nous avait enseigné inlassablement l'amour de la patrie. Les malheurs de la patrie, l'injustice qui l'avait frappée et surtout la résurrection de grande Hongrie qui n'allait pas tarder. Maintenant dans le ghetto, les parents ne parlaient plus de notre empereur bien-aimé, François-Joseph, comme l'appelait familièrement Ferenc Jóska. Ils parlent, ils priaient, lisaient des psaumes et dans leur conversation, c'était le nom de bon Dieu qui dominait. Pas de journée, pas de radio, pas de courrier. Le 2 juin, la gare et les voies de chemin de fer sont bombardées par les Américains, faisant beaucoup de victimes. Les jours suivants, les bâtiments occupés par les Allemands sont détruits les uns après l'autre. On les attribue à des avions anglais. Qu'en pense-t-on dans le ghetto? On ne dit rien, sauf que la défense anti-aérienne hongroise est inexistante. Avec plusieurs jours de retard, nous apprenons pourtant le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944. Nous espérons tout, mais toujours rien, sur l'extermination des Juifs. Or, vers le 20 juin, les gendarmes hongrois donnaient l'ordre d'évacuer le ghetto. On se groupe dans la cour, chacun avec son baluchon. Mon père nous a confectionné des sacs à dos. Devant la porte, dans la rue, un camion nous attend. Les gendarmes hongrois hurlent. Pour la première et unique fois, je vois un soldat allemand avec son pistolet mitrailleur juste à côté du camion, jambes écartées, presque immobile. Il émet de temps en temps un hurlement « Schnell ». Je monte en dernier, ce qui me permet d'observer par la fente de la bâche pourtant rabattue les rues de ma ville natale. Une dernière fois, nous dépassons le ghetto. Nous sommes maintenant dans les faubourgs. Et la dernière vision que j'ai de ma ville, c'est une femme qui tient ses deux jeunes enfants par la main. Elle nous aperçoit, elle lâche leurs mains et se met à applaudir. Nous arrivons alors dans une briqueterie. Les gendarmes hongrois bousculent violemment les personnes âgées qui ont du mal à descendre des camions. Ils fouillent nos pauvres affaires étalées par terre à la recherche
des valeurs, à coups de pied ou de bottes, couchés sur le sol, serrés les uns contre les autres avec un seul robinet d'eau potable pour des milliers de gens, nous ignorons complètement ce qui nous attend. Quelques jours plus tard, nous partons par le premier transport dans les wagons à bestiaux, sous le colibé et les jurons des gendarmes, vers une destination inconnue. Après 3 jours et 3 nuits épouvantables au milieu des cris, des pleurs et quelques fois des prières, nous sommes arrivés à Auschwitz-Birkenau. La suite, vous la connaissez. 450 000 juifs de province hongroise ont été déportés et la plupart exterminés entre mai et juillet 1944. À Budapest, que se passe-t-il? Après la libération des camps et après avoir été erré de un camp de Dipi, camp de personnes déplacées, à un autre, je suis arrivé finalement en France, à Paris, le 28 février 1946. C'est après la guerre que j'ai appris ce qui s'est passé à Budapest par ma famille et mes amis. Début juillet, le dernier convoi de juifs de banlieue de Budapest est parti pour Auschwitz. Fin juillet, en 1944, les juifs de Budapest étaient les seuls juifs vivants restant en Hongrie. Le vent a tourné. Horthy a arrêté les déportations en juillet. Alors, en octobre 1944, l'Allemagne l'a destitué, orchestré un coup d'État et installé un nouveau gouvernement hongrois dominé par le parti fasciste des Croix Fléchées qui a institué un régime de terreur. À partir du 8 novembre 1944, près de 70 000 juifs, hommes, femmes et enfants rassemblés dans les briqueteries de Obda ont été forcés par groupe de gagner à pied les camps d'Autriche. Des milliers d'entre eux ont été abattus, des milliers d'autres sont morts de faim ou de froid. Les prisonniers survivants de ces marches de la mort sont arrivés en Autriche à la fin du mois de décembre 1944 et les Allemands les ont transférés à Dachau au sud de l'Allemagne, à Mauthausen au nord de l'Autriche, à Ravensbrück, à Bergen-Belsen. Le même mois, les Croix Fléchées ont ordonné aux Juifs de Budapest d'entrer dans le ghetto. De nombreux Juifs ont alors cherché où se cacher et des diplomates comme Raoul Wallenberg et des prélats comme Monseigneur Angelo Rotta, nonce apostolique, leur ont procuré une protection diplomatique en les sauvant par dizaines de milliers. Mais ceux qui n'avaient pas de papier de protection ont été obligés d'aller dans le ghetto, tandis que d'autres encore se sont regroupés dans des soi-disant maisons protégées, éparpillées dans toute la ville. D'autres ont encore été enrôlés pour le travail forcé. Et les croix fléchées ont raflé des milliers de juifs de ghetto et les ont abattus sur les rives de Danube avant de jeter leur corps dans la fleuve. C'est dans ces derniers mois que l'action de Gita Malas, la juste, à qui je veux rendre hommage, va s'inscrire au cœur de la violence qui vise cette fois les Juifs de Budapest et que Anne-Marie Refkolavski va maintenant raconter. Mais avant de lui céder la parole, je voudrais seulement conclure en vous disant que les justes, comme les résistants en Hongrie, ont été peu nombreux. Peut-être rendus indifférents ou complices après tant d'années de propagande antisémite. N'avaient-ils pas compris ce qui nous arrivait, puisque nous-mêmes, nous n'avons rien compris, rien su, rien fait. Les seuls qui essayaient de résister furent les jeunes Hongrois sionistes, et je tiens à leur rendre hommage. Mon cher ami, je ne vais pas me présenter puisque je suis Anne-Marie Refkolevski. Comme Nicolas Roth vient de le dire et comme Jean Hirsch l'avait dit avant, les justes furent peu nombreux, ce qui rend l'action de Gita Malas exceptionnelle. Ce qui rend son action encore plus exceptionnelle, c'est que très souvent, quand il y a des cérémonies d'hommage
à des justes parmi les nations, très souvent, c'est une famille ou un enfant qui a été caché et protégé. Mais dans le cas de Gita Malas, c'est plus de 100 femmes juives, dont certaines avec des enfants, qui ont été sauvées. D'habitude, au comité français pour Yad Vashem, nous honorons des Français. Si aujourd'hui nous avons décidé d'honorer Gita Malas, c'est parce que, après être née en Hongrie, elle avait choisi la France en 1960 comme sa seconde patrie, qu'elle s'y maria avec un juif hongrois et qu'elle y mourut en 1992. C'est aussi parce que c'est en France qu'elle fut connue. Elle fut connue par ce livre que un grand nombre d'entre vous connaissent, Le dialogue avec l'ange, dont elle disait à chaque fois qu'elle n'en était pas l'auteur, mais qu'elle n'en était que le scribe. Comme Yad Vashem, je vais parler de Gita Malas et non pas de Margit Malas, qui était son vrai nom. Et si je parle effectivement de Gita Malas, c'est parce que vous la connaissez, ceux qui la connaissent sous ce nom, puisque Gita Malas n'a pas simplement publié ce livre, mais qu'elle a fait un grand nombre de conférences, d'entretiens, d'émissions qui l'ont fait connaître et qui parlaient de ce livre et de ses enseignements. Mais aujourd'hui, c'est bien de Gita Malas en 1944 que je vais parler, de celle qui, à cette époque, sauva ses femmes et ses enfants juifs. Je sais bien que Gita Malas faisait partie de ceux qui ne voulaient pas d'honneur et qui voulaient rester dans l'ombre. Mais ce qui a rendu ma tâche encore plus compliquée, c'est que dans un entretien avec ses amis qui sont là et que je salue, Patricia et Bernard Montaud, elle écrit que toute biographie parue après son décès ne sera due qu'à la fantaisie personnelle de son auteur. Et parlant du livre « Le dialogue avec l'ange », elle ajoute « Toute conférence, toute interprétation écrite ou orale seront faites sans mon consentement. » Alors, Gita, si vous m'écoutez, pardonnez-moi, mais je vais enfreindre deux de vos souhaits. Des anges, je ne parlerai quasiment pas. Mais je vais prendre le risque à la fois de parler de ce que vous avez fait, et je vais vous rendre hommage. Et pourquoi ? Parce que décrire la personnalité de ceux que nous honorons répond toujours à la question centrale. Pourquoi, dans certaines circonstances dramatiques, certains ont regardé ailleurs, d'autres ont été des salauds, et les troisièmes ont eu des conduites exemplaires. Gita est évidemment fait partie de ceux qui ont eu ces conduites exemplaires. Qui était donc Gita Malas ? Gita Malas était née en 1907 à Ljubljana, en Slovénie, qui faisait alors partie de cet empire austro-hongrois dont a parlé Nicolas Roth et qui fut démantelé par la suite. Elle était née dans une famille aisée de la haute bourgeoisie austro-hongroise, proche des idées d'extrême droite et probablement antisémite. Sa mère était une Autrichienne très distante. Son père, un officier hongrois très absent. Elle eut une éducation religieuse catholique, mais manifestement sans aucune ferveur. L'éducation à la maison était stricte, spartiate. Chez les Malas, il n'y avait pas beaucoup de sentiments. Mais on s'aperçoit que toute jeune, elle se révèle déjà comme quelqu'un de rebelle, d'intrépide, avec un tempérament. Et puis la famille déménage à Budapest, probablement parce que le père officier est muté. Elle y passe son adolescence et elle y suit des cours à l'école des arts décoratifs où elle apparaît comme très douée. À 16 ans, elle se lie alors d'une amitié très profonde avec Hannah Dalos, sa grande amie, qui est tout son contraire. Intuitive, fine,
sensible, affectueuse et faisant partie d'une famille juive très chaleureuse dans laquelle Gita nous dit qu'elle aimait se rendre. Et puis, elle la perd de vue. Elle devient pensionnaire dans une institution religieuse, encore une fois, sans aucune adhésion à l'enseignement qui y est dispensé. Et que fait-elle ? Elle se lance alors à corps perdu dans le sport, dans la natation. Elle écrit, je la cite, « À l'âge où l'on cultive son intelligence, moi, je cultivais mes muscles. » Ses lectures, curieusement, elle cite Gobineau. Pendant 5 ans, elle est championne de natation et remporte de nombreuses médailles. Elle a 29 ans. Elle écrit « Elle se laisse griser par l'adulation presque idolâtre que manifestent les Hongrois envers les héros du sport. » Les Hongrois, peut-être, les nazis, assurément. Rappelons combien le culte du corps, combien le rayonnement à l'étranger des champions et des équipes nationales constituait les fondements de la politique sportive des régimes fascistes et nazis. Elle fait alors la connaissance de Lili Strauss, sa deuxième grande amie, professeure de thérapie corporelle, d'une grande ouverture aux autres, et qui deviendra cette deuxième grande amie que nous retrouverons, également juive, mais comme la majorité des juifs hongrois, d'une famille très assimilée. Fatiguée du sport, Gita Malach prend ses distances. Certainement aussi, elle prend ses distances avec l'idéologie qui y était associée. Elle est manifestement attentive à la situation politique qui se développe en Europe, la guerre est imminente, et en Hongrie, aux tensions qui se développent. Elle s'éloigne de sa famille et décide de reprendre ses activités artistiques. Alors elle retrouve sa vieille amie, Anna Dalos, qui entre-temps s'est mariée avec Joseph Kreutzer. Et que faisaient Anna et Joseph ? Ils avaient à ce moment-là ouvert un atelier de graphisme et de décoration à Budapest. Sauf que, à cause des lois antisémites, ils n'avaient pas de travail. Alors Gita les rejoint. Elle les rejoint et à ce moment-là, elle, bien sûr, la championne et la fille de l'officier, ne dit pas que ses deux collègues sont juifs. C'est elle qui fait les commandes et elle en emporte beaucoup. Donc l'atelier est très prospère. Seulement, la nazification arrive de plus en plus en Hongrie. La guerre approche, les bombardements semblent maintenant menacer Budapest. Alors les amis se considèrent comme vraiment en danger et ils décident de s'éloigner de Budapest. Ils vont alors louer une petite maisonnette dans un petit hameau plus éloigné, à Budaliget, et d'y travailler pour avoir juste de quoi vivre. Lili viendra les rejoindre les week-ends. Nous sommes alors en 1943. Au dehors, c'est la guerre, le mensonge, l'antisémitisme, la brutalité abjecte et le mal, ce sont ces termes, qui empoisonnent le climat de plus en plus irrespirable. Les quatre amis se retrouvent alors dans une petite cabane au fond du jardin. Au cours d'interminables discussions philosophiques, à la recherche de la vérité, ils puissent alors, dans plusieurs grands courants religieux et mystiques très différents, des réponses et du sens à la violence qui les entoure. Et c'est ainsi que du 25 juin 1943 jusqu'au 24 novembre 1944, c'est-à-dire pendant 17 mois, d'abord à Budaliket et ensuite à Budapest, chaque vendredi, vers 3 heures, a lieu une sorte de rituel, des entretiens avec celui qu'ils appelleront successivement leur maître intérieur, le messager, puis leur ange. De quoi s'agit-il ? D'enseignements qu'Anna, l'âme du groupe, adresse à ses amis après les avoir avertis qu'elle n'est que le médiateur des messages qui leur sont adressés. Elle est, je cite, « l'instrument humain
plus ou moins apte à transmettre ce qu'elle reçoit. Ces messages oraux furent ensuite et au fur et à mesure griffonnés sur du papier par Gita et Lily, puis regroupés et enfin, quand Gita vint en France, publié plus tard en 1976 sous le titre « Le dialogue avec l'ange ». Disons, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, que les messages que transmet Anna expriment face au naufrage du monde extérieur et à l'angoisse qui en résulte, une espérance de salut puisant à la source de plusieurs spiritualités, puisant dans la foi d'une force intérieure personnelle. Comme je vous l'ai dit, je ne souhaite pas approfondir le sens de ces messages. Chacun peut s'y retrouver, les comprendre en fonction de sa propre quête, de sa propre aspiration spirituelle, de sa relation ou non à la transcendance. Mais, au-delà de ces messages, il se trouve que ce livre peut se lire également comme un journal de bord écrit après coup. Car Gita Malach a ajouté des explications et elle a contextualisé ces moments de réflexion en expliquant avec lucidité les événements qui se déroulent à l'extérieur. C'est donc elle-même qui va nous expliquer quand et comment elle a décidé de sauver ses amis. Et elle va en faire le récit avec sobriété et précision. Je ne peux pas, évidemment, citer tous ces récits. Je veux néanmoins m'arrêter sur certains d'entre eux. Le 31 mars 1944, Anna et Joseph ont quitté le petit hameau de Budaligget pour Budapest afin d'échapper aux rafles et pensant que la capitale était un lieu plus sûr. Gita les a suivis. Ils vont alors se réfugier dans l'appartement des parents de Anna. En effet, les parents de Anna, en 1939, ont quitté la Hongrie. Ils sont partis rejoindre leur fils en Angleterre. Mais en fait, ils ne sont pas partis rejoindre leur fils en Angleterre. Ils étaient partis pour la Palestine. Et ils iront en Palestine en 1945, quand ce sera possible. Les parents de Anna mourront dans ce qui sera ensuite Israël et Gita ne les reverra jamais. Ils avaient en 1939 proposé à Anna et Joseph de les suivre, mais ceux-ci avaient refusé. Sans doute qu'en 1939, étaient-ils, comme tous ceux dont a parlé Nicolas, absolument inconscients de ce qui allait arriver. Plus tard, le récit de Gita va continuer. Le 19 avril 1944, Joseph est enrôlé pour le travail forcé à Budapest. La panique commence à saisir tout le monde et Gita commence alors à comprendre qu'il lui faut sauver ses amis. Nous sommes maintenant le vendredi 5 mai 1944. Voilà ce qu'elle écrit. Le quartier qui entoure la synagogue a déjà été transformé en ghetto. Tout un marché de faux papiers s'organise. J'aurais voulu, et j'en avais les moyens, en fournir à Joseph, Anna et Lily. Mais ils ne veulent pas avoir recours aux mensonges. Ils vont donc refuser. Elle continue. Les Juifs mettent tous leurs espoirs dans leur nouvel ange gardien, Raoul Wallenberg, et ses passeports suédois, qui pourraient les sauver d'une extermination certaine, organisée avec efficacité, une efficacité diabolique par Adolf Eichmann. Un étrange refus, sur lequel Gita elle-même s'interroge dans son livre avec une certaine prudence. Caractère inéluctable de la guerre, fatalité de cette guerre, fatalité sur le rôle du faible et de la victime. Je cite, « Leur destin était-il
d'être sacrifiée. Avait-elle été effleurée par l'idée que leur destin était une référence au destin juif? Nul ne peut répondre à cette question. Mais il est clair, chers amis, que lorsque les Juifs refusent le mot « holocauste » et désignent le génocide des Juifs par le mot « Shoah », c'est bien parce que nous réfutons cette idée de sacrifice. 2 juin 1944, Joseph est déporté. L'urgence de sauver Lily et Anna ne quitte alors plus Guita, mais comment ? C'est alors que la proposition va arriver en la personne du père Klinda. Laissons-la raconter. 14 juin 1944. Un de mes proches, homme politique influent, vient alors me voir et me parle du plan secret mis au point par un certain père Klinda, prêtre catholique de Budapest, remarquable par son courage et sa bonté active. Pour sauver du ghetto une centaine de femmes et d'enfants, un atelier de confection militaire va être installé dans un petit couvent sous la protection du nonce apostolique et de quelques officiers supérieurs du ministère de la guerre dont les noms resteront bien sûr confidentiels. Les ouvrières devront y habiter, protégées à la fois par l'annonciature et par le ministère de la guerre. Elles seront responsables de toute la production du matériel destiné aux armées. Mais si l'on veut que le projet se réalise, il faudrait un commandant bénévole capable d'organiser la production de l'atelier et d'imposer une discipline stricte, quasi militaire. Et mon ami est venu me demander d'accepter ce rôle. Au moment où je lui réponds, je n'ai pas la plus petite idée de ce que peut être bien la couture industrielle et encore bien moins la discipline militaire. Mais l'idée me traverse tout à coup que ce serait peut-être un moyen de sauver Anna et Lily. Je réponds donc que j'accepte à condition que les noms de Anna et Lily soient ajoutés à la liste des 110 personnes qui doivent être présentées demain au ministère de la guerre. Et voilà donc Guita Malas, devenue la commandante de cette usine de guerre. Qui irait soupçonner en effet cette fille d'un ancien officier supérieur ? Elle a le sens de l'organisation, de l'autorité, du sang-froid, le sens pratique. Elle a des relations. Sa force de caractère, sa clairvoyance, son courage vont alors se révéler exceptionnels. Écoutons-la. Monter un atelier de confection militaire, oui, mais comment ? 16 au 21 juin 1944, c'est elle qui parle. J'ai deux problèmes urgents à affronter. Imposer une discipline quasi-militaire et mettre sur pied un atelier de couture avec des ouvrières qui ne savent pas coudre. Et sans aucun moyen financier. On ne nous a donné qu'un couvent vide, tout le reste est de notre ressort. Les pièces de tissu vont bientôt arriver, nous serons alors censés livrer des chemises d'uniforme impeccables. C'est à ce prix seulement qu'une protection militaire nous sera accordée. Le ministère de la guerre m'a donné des instructions concernant la discipline. Alors quelques jours plus tard, lorsque Anna et Lily viendront me rejoindre au couvent, elles seront sidérées de me voir en haut du grand escalier, donnant les consignes du jour aux ouvrières, debout, en rang devant moi. J'ai tout d'abord le plus grand mal à garder mon sérieux quand je me vois jouer ce rôle extravagant et si peu fait pour moi. Mais la gravité de la situation vient bientôt réprimer mon envie de rire. Alors j'ordonne à chaque ouvrière de se procurer n'importe comment une machine à coudre par n'importe quel moyen. Ensuite, on organisera les cours de couture. Et Guita finit par mettre tout le monde au travail, avec autorité. Lily, Anna et certaines ouvrières beaucoup plus efficaces que d'autres vont arriver à faire fonctionner cet atelier, cette petite usine. Mais du 23 au 29 juin, ce qu'elle écrit devient inquiétant.
nous apprenons avec terreur que nous allons avoir bientôt une inspection. Or, les piles de chemises faites n'importe comment augmentent de jour en jour. Mais heureusement, Anna Lily et les autres travaillent fiévreusement 24 heures sur 24 pour réparer les dégâts commis par leurs collègues. Et Guita, première victoire, parvient à obtenir un délai pour cette inspection. Seulement le danger approche. Alors le père Klinda convainc toutes les femmes juives, toutes ses ouvrières, de se faire baptiser pour les protéger. Et toutes vont accepter, y compris finalement Lily et Anna. Nous sommes maintenant en octobre 1944. Horthy a arrêté les déportations et comme a dit Nicolas Roth, ce sont les croix fléchées qui sont maintenant au pouvoir. Et voici ce que Guita écrit. Les Niloches ont pris le pouvoir. Nous entendons parler d'un nouveau sport, la chasse aux Juifs. Des centaines de Juifs sont rassemblés sur les rives du Danube, alignés et fusillés. Avec le fleuve, inutile de creuser des tombes. Les nouvelles les plus incroyables ne cessent de circuler. Le chef Niloche de notre district est un prêtre, défroqué, sadique notoire, le père Kuhn. Dans la cave d'une maison peu éloignée de la nôtre, le père Kuhn a fait installer une chambre de torture et ses troupes, une bande de jeunes voyous, tous volontaires, dépassent dans leurs ailes les cruautés des SS. Ils font la chasse aux Juifs, les dénichent dans leurs cachettes avec un flair impitoyable, les conduisent dans la cave où, sous la direction du père, ils les torturent à mort avec une savante lenteur. Alors, comme la situation devient de plus en plus dangereuse, Guita, consciente, décide de poster en permanence une ouvrière vigie pour surveiller l'entrée du parc. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait aménager des trous dans la clôture pour une fuite éventuelle en camouflant ces trous avec des branches et des feuillages. Et le danger est encore plus grand parce que dans la maison voisine, il se trouve qu'elle vient d'être réquisitionnée par les SS. Nuit du 22 octobre 1944. Elle parle des SS, de ses voisins. Leur présence à côté de nous est terrifiante. Ma cabane est au milieu du parc et je me suis habituée au grand silence de la nature pendant la nuit. Ce silence est interrompu un soir par des hurlements dans les rues et des fusillades désordonnées. Ce sont les Niloches, ces tout jeunes gens qui ont pour la première fois de leur vie des armes entre les mains et qui sont enivrés de leur nouveau pouvoir. Alors je guette tous les bruits de la rue. Je vais constamment vérifier si les trous que nous avons ménagés dans la clôture n'ont pas été forcés. Dimanche 5 novembre 1944, les croix fléchées pénètrent dans l'atelier. Le père Kuhn, le prêtre défroqué, chef des croix fléchées, c'est elle qui parle, a découvert la véritable raison d'être de l'atelier. Des hordes de nazis hongrois forcent la porte et déferlent dans le parc. Mais cette fameuse ouvrière vigie qu'elle avait eu l'intelligence de poster les avait vus approcher et elle a eu tout juste le temps de lancer un SOS désespéré à l'annonciature. Certaines aussi ont été prévenues, certaines des femmes juives, et elles se sont enfouies par les trous. Guita continue. Les Niloches font la chasse à toutes les femmes qui se sont cachées. La cave, les ateliers, le grenier sont fouillés de fond en comble et toutes les ouvrières sont parquées dans le plus grand atelier en attendant le chef. Le père Kuhn arrive. C'est un homme plutôt petit, maigre, aux yeux hagards. J'ai l'impression fugitive qu'il a dû se torturer lui-même quand il était prêtre, dans un excès d'ascèse. Sa soutane noire est barrée d'une large ceinture rouge, bardée de revolvers et de poignards. Il demande à voir le commandant. Je fais un pas en avant. S'adressant au Niloche, le père Kuhn se lance alors dans une espèce de sermon, expliquant que j'étais, moi, chrétienne, qui s'était abaissée à aider des juifs plus coupables que les juifs eux-mêmes. Il s'arrangera pour qu'on me réserve un traitement spécial. Lorsqu'Anna et Lily entendent ces mots, elles voient s'évanouir l'illusion
que ma qualité d'arienne me préserverait du danger. Et alors, je suis sommée de dire combien d'ouvrières travaillent dans l'atelier. Et si ma réponse n'est pas exacte, je serai fusillée sur le champ. Je n'ai pas la moindre idée du nombre des femmes qui ont pu s'échapper par les trous aménagés dans la clôture. Incapable de répondre, je reste muette. Puis, tout à coup, je m'entends dire « 72 ». On commence à compter. Il y a là 71 femmes. Un lourd silence s'installe. Tout à coup, la porte s'ouvre brutalement et un nazi pousse dans la pièce une jeune fille qui s'était cachée dans les WC. Le père Kuhn me fixe sans un mot. S'est-il senti en présence d'une autre force ? Puis il tourne les talons. Avant de quitter la pièce, il ordonne à ses soldats de m'emmener sous surveillance spéciale. Trois nazis, armés jusqu'aux dents, me jettent à terre, me bourrent de coups de pied et me crachent dessus. Les 72 ouvrières sont mises en rang. La nuit tombe, il se met à pleuvoir, l'ordre du départ est donné et nous commençons à marcher dans les rues en silence vers une destination inconnue. Seulement, comme je vous disais tout à l'heure, le SOS était parvenu au ministère par l'annonciature et un officier avait apporté une lettre de protection renouvelée pour cette usine de guerre, ce qui fait que les soldats Niloche ont été obligés de les relâcher. Mais Gita a compris que ce n'est que partie remise. Alors, elle va chercher fébrilement une autre solution. Et finalement, elle réussit à se procurer un faux certificat d'usine de guerre frappé de la croix gammée de la Wehrmacht, dont elle se dit que si de nouveau il y a une incursion de ces croix fléchées, elle pourra la présenter à la police hongroise. Par ailleurs, elle se lie habilement d'amitié avec les SS dans la fameuse maison voisine. Et elle les invite de temps en temps pour boire un verre. Il faut savoir que Gita, par sa mère autrichienne, parlait très bien l'allemand. Et elle était, n'oublions pas, fille d'un officier hongrois. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait faire une brèche entre le jardin des SS et leur jardin. Et puis, quand ils viennent, elle se plaint hypocritement à eux de la vulgarité des croix fléchées qui importunent ses ouvrières. Et elle finit avant de les convaincre que si jamais ils reviennent, de les chasser, car ils perturbent le travail de ses ouvrières. Elle leur fait visiter l'usine. Ils ne font aucun commentaire sur le fait que ces ouvrières ne sont pas des Aryennes. Pourtant, le 2 décembre 1944, les croix fléchées arrivent avec un ordre de déportation. Gita court comme une folle pour appeler ses voisins les SS à l'aide. Elle presse les ouvrières de s'enfuir au plus vite, par les brèches. Et alors on assiste à l'incroyable spectacle des femmes et des enfants juifs, poursuivis par les Hongrois, se bousculant pour franchir la brèche de la haie entre les deux jardins, sous la protection des SS, qui les ont courage de la voix et du geste. Pendant ce temps-là, Gita argumente, elle discute, elle fait passer le temps pour que toutes puissent s'échapper. Le père Klinda est arrivé à la rescousse, mais ne peut rien faire. Cette usine n'est pas sous sa protection. Alors Gita, elle brandit ce fameux certificat avec la croix gammée, affirmant que cette usine est sous la protection des Allemands. Mais le chef des SS commence à se douter de la supercherie. Alors il téléphone, il demande confirmation à ses supérieurs sur la conduite à tenir. Et à l'autre bout du fil, le colonel des SS donne l'ordre aux Allemands de rentrer chez eux. La plupart des femmes se sont échappées, avec les enfants, à l'exception de 14 d'entre elles, trop malades ou trop effrayées. Et parmi ces 14 femmes, il y a Anna et Lily qui ont décidé de ne pas fuir. Pourquoi ? Pourquoi sont-elles restées ? Elles qui, disait Gita, n'avaient aucun sens du martyre. Pour la sauver, elle, Gita, car elles avaient peur qu'elle ne soit fusillée pour les avoir bernées.
Mais elle disait aussi, pour qu'à travers Gita vivante, les messages du dialogue avec l'ange parviennent au monde en détresse. Quoi qu'il en soit, brutalement chargées dans des camions, les femmes juives partirent pour Ravensbrück. Une seule est revenue pour raconter leur fin atroce. Eva Langley-Danos qui écrit dans Le Dernier Convoi. À l'approche des alliés, elles furent entassées debout, nues, dans des wagons à bestiaux plombés, où presque toutes moururent de faim ou de maladie au milieu de leurs excréments. Une fois par jour, une SS ouvrait le wagon et les prisonnières jetaient les cadavres dehors. Lily mourut une heure après Anna. Toutes deux avaient fait montre d'un courage extraordinaire tout au long de leur calvaire. La surveillante SS fit signer aux survivantes l'attestation qu'elles étaient mortes de mort naturelle. Toutes les femmes et les enfants qui s'étaient enfuis par le jardin des SS ont survécu. Et c'est grâce au témoignage de deux d'entre elles que Gita est reconnue aujourd'hui juste parmi les nations. Suzanne Kelvin, dont la fille est ici aujourd'hui, et Kathaline Vamos. Qu'elles en soient remerciées, comme Monique Guillemin, Herbert Hertz, Imre Bok, qui cherchèrent ces témoignages. Chers amis, j'avais dit que je ne parlerai pas du dialogue avec l'ange. Permettez-moi néanmoins de poser cette question évidemment centrale. Quel fut le rôle de l'ange dans l'action de Gita? On trouve la réponse dans ses propres commentaires au creux des pages. Ils lui permirent de vaincre sa peur, de ne pas se laisser contaminer par le mensonge et la barbarie du monde extérieur, la démence de l'antisémitisme. Ils lui permirent de croire à un au-delà qui nous dépasse tous et surtout, il lui donna la force d'agir. Mais quel fut le rôle de l'ange pour Anna, Lily ou Joseph? Je n'ose répondre à cette question, car s'il leur permit de croire à une lumière plus forte que les ténèbres qui les entouraient, ce furent néanmoins les ténèbres qui les emportèrent. J'espère, monsieur l'ambassadeur, que ces ténèbres en Hongrie ne sont pas de retour. Gita Malache mourra le 25 mai 1992. Ses cendres ont été dispersées dans le Rhône. Comme ses amis, elle n'a pas eu de sépulture. Son ultime message avant de mourir fut de nous enjoindre à ne pas vivre en vain. En 1944, ce message, elle l'a magnifiquement incarné, refusant de se soumettre à la barbarie, refusant d'être esclave de l'opinion dominante et totalitaire, et en décidant d'agir au risque d'être elle-même fusillée. Elle fit preuve une seconde fois de courage. Lorsqu'elle décida en 1945, cher Andrea, de venir en aide à votre famille. Et je suppose que cette histoire douloureuse vous a été racontée. Elle l'illustra enfin par cette parole que vous avez été, certains d'entre vous, très nombreux de par le monde et dans notre pays à faire vôtre. Pour conclure, permettez-moi d'ajouter que dans la tradition juive, quand on prononce un discours en l'honneur d'un défunt, il est conseillé de ne pas trop exagérer ses qualités, car on dit alors que lorsque le défunt arrive là-haut auprès de Dieu, les anges font la grimace en comparant cet éloge terrestre avec la réalité. Chère Gita, vous nous avez quittés il y a 20 ans déjà, et je n'ai pas de doute qu'en faisant aujourd'hui votre éloge, si les anges nous écoutent, je risque surtout qu'ils ne me reprochent au contraire de n'en avoir pas dit assez. Qu'ils me pardonnent.
Et si vous m'entendez, chère Guita, je suis sûre que, pleine d'indulgence, vous les y inviterez, car sûrement, vous n'avez pas oublié qu'en hébreu, malar veut dire ange. Tâche, c'est une joie. Parce que là, la vie devient passionnante, même si elle est dure, mais passionnante. Ez a két idős ember Londonban él. Csak nem 60 éve vándoroltak ki Magyarországról. Most azért jönnek vissza, hogy a múltjukat keressék. Nekem ők Pista bácsi és Zsuzsa néni. Róluk szól ez a film. Zsuzsa néni a Budakeszi úti volt varradába jön, ahol ma egy óvoda működik. Linda atya ide hívta azokat a diákokat, akik a Ranolder intézetbe jártak, és az apácák külön segítettek, hogy mi minél hamarabb el tudjunk kerülni az otthonba, mielőtt a deportálások kezdődnek. Ültünk, csináltuk a munkánkat benne a munkaszobában, és az egy ilyen üveges verandaszerűség volt. És ez csak látjuk, hogy mindenfelől jönnek fekete ingesek. És hát borzasztóan megijedtünk, és Klinda atya sehol. 60 anya, 60 lányával, a legtöbb nagyon szép kislányok, fiatalok. Kezükben ilyen ostorok voltak, mikacsekkek. Vagy azt mondták akkor. És ezeket a szép lányokat verték meg, meg más is csináltak. És nekünk sikerült megszökni. Egy ekkora kis pici fürdőszoba ablakon, így szegény anyukám kilógatott egy aranykarkötőt, és Wehrmacht katonák őrizték körbe a helyet. Eltette a karkötőt, elfordult, és mi kimásztunk azon a pici ablakon. És aztán elindultunk ott az estébe, és kopogtattunk nagyon sok helyen. Barátoknál, szomszédoknál, senki nem adott helyet. Ha balra nézel, akkor meg látod itten a különböző cipőket, férfi, női, de még gyerek is, borzalom. Kicsi gyerek, nagy gyerek, öregek, fiatalok, itt minden van. Nem válogattak. Nem válogattak. Akit ők úgy gondolták, hogy patkányok vagyunk, és azt lehet ölni. Ők voltak az emberek. Ők voltak az emberek. Donc Suzanne Doritzak est la fille de elle-même qui était une enfant de Madame Suzanne Kevin à Budapest à l'époque, et elle voudrait aussi dire quelques mots qu'elle va dire en anglais et que je vais essayer de traduire. I'm extremely sad that neither my mother nor my father are alive for this ceremony today. But I'm happy to be here in their name. My mother was touched by a pure, warm light, which, in large part, ironically, was ignited at Baldur Cotolin by Lily and Hannah. She spoke to me often of her memories there, with nostalgia and even with love, although overshadowed with terror and trauma also, much of which I absorbed. J'étais, je suis
extrêmement triste que ni ma mère ni mon père ne soient vivants aujourd'hui pour cette cérémonie. Et je suis heureuse en leur nom d'être là. Ma mère était touchée par une sorte de lumière pure et chaude qui avait été largement allumée dans ce foyer de Cataline par Lily et Anna. Elle me parlait souvent de ses souvenirs là-bas, avec amour et nostalgie, bien que assombrie par la terreur et les traumatismes qu'elle avait aussi fait sienne. My mother spoke to me of a desire to register and tell her story, but the enormity of the task rendered her incapable of bringing this about. Elle parlait souvent de son désir d'écrire tout ça et de raconter tout cela, mais l'énormité de la tâche la rendait incapable de le faire vraiment. How fortuitous then that 64 years later, Monique provided the opportunity. Quelle chance que 64 ans après, Monique Guillemin, que je veux vraiment encore saluer, a rendu cette transmission possible. My mother somehow became the prism through which Gitta's true and righteous light could shine and be recognized. Ma mère, en fait, devint le prisme par lequel la lumière juste de Gitta et la voix juste de Gitta pouvaient briller et être reconnues. Gitta made a brave choice in very dark and dangerous times to do the right thing, for which I am so grateful for my life, as for my sons, together with many others like us. Gitta avait fait un choix courageux dans des temps sombres et dangereux. Elle fit ce choix de faire ce qu'il fallait faire, et c'est pour ça que je lui suis si reconnaissante pour ma propre vie, pour celle aussi de mon fils et de tant d'autres comme nous. I thank Monique, another true and selfless person, for her vision and dedication and determination to see this through and thereby help my mother find relief in telling of her story, thus enabling Gitta Molas to receive the recognition she so fully deserves. Je veux remercier Monique encore une fois pour sa personne généreuse, de sa vision, de son engagement, de sa détermination pour avoir réussi à aider ma mère à trouver un repos en expliquant cette histoire et en permettant que Gitta Molas soit ainsi reconnue avec cette reconnaissance qui est légitime. I thank also Imre Bortz, Yad Vashem Jerusalem and France, and the Bernardines for providing this venue for this beautiful ceremony. Je remercie Imre Bortz, Yad Vashem Jérusalem, Yad Vashem France et les Bernardins de m'avoir invité pour cette magnifique cérémonie. Thank you. Monsieur le Président du Collège Bernardin, Monseigneur, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les représentants du Comité français pour Yad Vashem, Monsieur le Ministre de l'Ambassade d'Israël, Monsieur l'Ambassadeur René Rudeau, Mesdames et Messieurs, il y a des moments, et c'est en un, lorsqu'il est difficile de prendre la parole, car confronté à la grandeur de certaines, il n'est pas permis d'être médiocre. Je suis vraiment touché par les différents discours d'aujourd'hui ici. L'histoire de la Hongrie, c'est aussi l'histoire des Juifs de Hongrie,
ou plutôt les Hongrois juifs. Nous vivons ensemble depuis la création de l'État hongrois. Le roi fondateur Saint-Étienne fut le premier à prôner et à pratiquer la tolérance. Il avertit son fils qu'il faut accueillir cordialement les étrangers qui souhaiteraient s'installer sur le sol de son royaume parce qu'ils contribueront à la prospérité du pays. Les vers du Saint-Roi sont devenus vérité et justice. Les Hongrois, les non-juifs et les juifs vivaient ensemble pendant des siècles, ont connu des victoires et des défaites, ont savouré, ont souffert et ont pleuré ensemble les périodes de prospérité du pays, les grandes tragédies du peuple magyar et les pertes inconcevables de la nation hongroise dont il était ou croyait être les membres à part entière. Pour ne citer que quelques exemples de l'histoire récente de la Hongrie, nos concitoyens juifs ont participé au mouvement de la réforme dès les années 30 du 19e siècle. Ils luttaient les armes à la main dans la révolution et guerre d'indépendance de 1848-49, comme ils feront la même chose à un autre moment très fort de l'histoire hongroise, dans la journée glorieuse puis tragique d'octobre-novembre de 1956. Représentants illustres du libéralisme national et de l'esprit d'entreprise, les Juifs de Hongrie ont massivement contribué au développement spectaculaire de la Hongrie dans la deuxième moitié du 19e siècle et au tournant du siècle. Ce processus d'enrichissement matériel, culturel et intellectuel fut interrompu à la fin de la Première Guerre mondiale, dont la Hongrie est sortie vaincue et humiliée. C'est à ce moment-là que quelque chose d'impardonnable et d'injustifiable s'est produit en Hongrie. Et je tiens à préciser les choses suivantes. L'amertume de la défaite, le désespoir engendré par les pertes immenses de territoires et de populations ne saurait aucunement et jamais servir d'excuse pour le pouvoir hongrois d'entre-deux-guerres d'avoir commis les crimes abominables, à savoir la persécution, la spoliation matérielle et spirituelle, et pour finir, l'anéantissement systématique physique de plus de deux tiers de la communauté juive hongroise. C'est un fait historique dont la responsabilité doit être partagée par tous les Hongrois. Comme le Shoah fait partie de l'histoire du pays, la conscience nationale hongroise ne pourrait plus éviter de faire face à ce lourd héritage déshonorant. Mais grâce au courage, à l'humanité et l'héroïsme de certains d'entre les contemporains, de femmes et d'hommes comme Gitta Malas, l'honneur n'a pas été définitivement et irréparablement perdu. Gitta Malas, comme le père Palkinda, avec qui elle a coopéré sur le sauvetage de nombreuses femmes juives, ont été capables de suivre l'ordre de leur cœur. Leur dévouement salvateur doit également faire partie de la conscience collective hongroise et de nombreux témoignages de la mémoire doivent nous rappeler que les meilleurs d'entre nous ont pu rester fidèles à leur propre dignité humaine et au respect de la dignité de l'autre. Tout cela dans un monde où provisoirement, mais hélas, pendant trop longtemps, la barbarie, la bassesse et la cruauté dominaient. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à la mémoire d'une Hongroise, d'une juste parmi les nations, de Gitta Malas. Nous tous, enfants d'une autre époque et d'une autre Hongrie, nous devons nous incliner devant la mémoire de cette femme courageuse. Mais nous ne savons que trop que cela ne suffit pas. La barbarie nazie, l'Holocauste, la persécution et l'extermination des Juifs appartiennent désormais à l'histoire. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il en a été ainsi définitivement et que le processus est irréversible. Mais nous ne devons pas ignorer que le mal, le virus de l'intolérance et de l'antisémitisme sévise toujours et il faut mener un combat permanent et acharné pour tuer le monstre dans l'œuf. Le mémoire de plusieurs centaines de milliers de martyrs juifs et non-juifs hongrois ainsi que l'héroïsme de Gitta Malas et des autres juste parmi les nations nous oblige d'être bien vigilants. Mesdames et messieurs, oui, la vigilance s'impose parce que nous devons lutter en permanence contre un facteur à la fois indispensable et redoutable, c'est le temps. Le temps qui permet de cicatriser les plaies, mais qui permet également d'oublier, et ce qui est pire, de faire oublier. Au fur et à mesure que la mémoire s'efface, surgissent de vieux démons
réapparaissent les extrémistes de tous bords qui relativisent et nient les faits historiques qui gênent. C'est un phénomène qui est tristement présent aujourd'hui partout en Europe. D'où la responsabilité du respect de la mémoire qui est étroitement liée à l'éducation des jeunes générations qui n'ont plus, fort heureusement, aucune expérience vécue des tragédies d'autrefois, mais qui doivent savoir qu'il fut un temps lorsque des innocents pouvaient être impunément tués. C'est l'enseignement de l'Holocauste Shoah qu'il ne faudrait jamais oublier. C'est la responsabilité et le devoir de tout gouvernement de veiller à ce que la vérité soit toujours dite. C'est pour cette raison que le gouvernement hongrois a créé il y a quelques années la journée de l'Holocauste, qui est chaque année commémorée au Parlement, en présence du gouvernement et partout dans le pays, dans les musées, autour des monuments commémorant les victimes de la barbarie. Permettez-moi de partager une expérience personnelle. J'ai visité tout récemment le musée de l'Holocauste de la ville de Hódmezővásárhely, qui est une ville moyenne du sud-est de la Hongrie. Cette ville a perdu la totalité de sa population juive. Plusieurs milliers de personnes en été 1944. Ces enfants, femmes et hommes manquent cruellement encore aujourd'hui. Il manque leur savoir, leur expérience, leur civisme, leur culture citoyenne. Leur perte est éternelle, mais le monument érigé à leur mémoire permet au moins de mesurer la perte et de rappeler l'évidence, jamais plus cela. Celui qui visite ce musée, et le musée est toujours plein de collégiennes et de lycéennes conduits par leur professeur d'histoire, en sortant comprendra davantage l'absurdité inoubliable de la Shoah. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mes paroles de commémoration et de reconnaissance par cet engagement solennel du gouvernement que j'ai l'honneur de représenter ici à Paris. Ce pouvoir profondément fidèle à toutes les valeurs humaines hongroises, européennes et universelles ne tolérera jamais aucune forme de l'extrémisme, de l'antisémitisme, du racisme. Dans une démocratie, ces idées ne seront jamais tolérées, avec leurs représentants même le dialogue est jamais exclu. L'exemple d'une juste hongroise de Guy Tamalas nous y oblige. Merci de votre attention. Monsieur, Monseigneur, le Président du Collège des Bernardins, Monsieur l'Ambassadeur de l'Hongrie en France, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, Messieurs les consuls d'Hongrie en France et en Belgique, Monsieur René Roudon, Monsieur le Président du CRIF, Monsieur Nicolas Roth, merci pour votre témoignage très émouvant, personnel, des événements tragiques qui ont subi les Juifs d'Hongrie en 1944, pendant la Shoah. Chers amis, quiconque sauve une âme sauve l'univers tout entier. Cette phrase, tirée du Talmud, explique l'importance que revêt pour le peuple juif le comportement exceptionnel qu'ont eu les Justes durant la Shoah. Les Justes, au plus fort de cette période sombre qui a connu l'Europe, l'humanité, ont eu le courage de braver l'autorité au péril, comme on a vu, de leur propre vie et de celle de leur famille, au sauvant des êtres humains dont le seul crime était d'être juif. Ils l'ont fait avec leur âme, avec leur cœur, avec leur sang, car beaucoup y ont laissé la vie. Les Juifs considèrent pourtant ce qu'ils ont fait comme étant naturel et pensent même souvent qu'ils auraient pu en faire davantage. Pour beaucoup de Justes, ils ont agi par devoir, devoir d'humanité, devoir des citoyens et devoir envers eux-mêmes. Devoir personnel. C'est pourquoi, par leur acte héroïque, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents d'une mort certaine, mais ils ont aussi sauvé la dignité humaine et l'honneur de leur pays.
C'est juste sans la fierté de l'humanité. Tel que l'a dit Jacques Chirac en janvier 2007, quand la France rendait alors, et pour la première fois, un hommage national au juste parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes de France au cœur du Panthéon pour que ces héros ordinaires deviennent des héros de la France. Mesdames, messieurs, le peuple juif n'oublie pas, pour la mémoire de 6 millions de morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, et aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer et d'entretenir le souvenir de ces tragédies. On ne bâtit rien sur l'oubli ou le mensonge. C'est pourquoi, chers amis, rien ne doit jamais nous écarter de notre devoir de mémoire et de vérité. Mesdames, messieurs, la médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction de mon pays, de l'État d'Israël. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement de l'expression d'un témoignage de gratitude profonde et de reconnaissance. Nous sommes et serons à jamais reconnaissants aux justes parmi les nations pour ce qu'ils ont accompli au péril de leur vie. C'est ce qui nous donne encore la force de croire en l'humanité. C'est avec un grand honneur et avec beaucoup d'émotion que je vais remettre aujourd'hui, au nom de l'État d'Israël et du peuple juif reconnaissant, la médaille de juste parmi les nations à Madame Gita Malach à titre posthume, représentée par sa petite nièce, Andrea Malach, pour avoir sauvé à Budapest plus de 100 femmes et enfants juifs en décembre 1944. Merci du fond du cœur. Köszönöm a jedvesemnek, hogy odaítélte a dédnagynénémnek ezt a díjat. Tout d'abord, j'aimerais remercier Monique Guillemin d'avoir demandé, d'avoir proposé que Gita Malach, ma grand-tante, reçoive ce titre, cette reconnaissance. De mindenek előtt Monique Guillemin-nek, hogy felterjesztette őt erre a kitüntetésre. Tout d'abord, donc Monique Guillemin qui a demandé cette démarche. Gita családjáért nagyon sokat tett. Gita fait énormément pour sa famille. Ő volt az, aki a kitelepítés után visszaszerezte a családi házat. C'est Gita qui, après notre déportation près de la frontière russe, a pu obtenir que cette maison familiale nous soit rendue. Ami példaértékű volt, hiszen családunk nem kívánatos volt az akkori rendszer számára. Ce qui était extrêmement rare et exemplaire, puisque notre famille n'était pas désirable pour le régime de l'époque. Gita nagy összegekkel támogatta testvérét, hogy gyermekei magas színvonalon tanulhassanak. Gita a donné énormément une grosse somme d'argent régulièrement à son frère pour que ses enfants puissent faire des études les plus supérieures et les plus hautes. Az egész család nevében szeretném megköszönni Kardos Gyöngyinek, Margaret Kardosnak. J'aimerais remercier Marguerite Kardos. Mindent, amit Gittaért még életében és utána is tett és tesz. Pour ce qu'elle a fait pour Gitta et qu'elle continue. Margaret Kardos gyermekkora óta ismerte Gittát. Marguerite Kardos a connu Gitta depuis son enfance. Gitta mélységét és szellemiségét ő közvetíti Magyarország felé. Ahogyan ezt Gitta szerette volna. C'est elle qui transmet pour la Hongrie le message et l'enseignement
de dialogue avec l'ange comme Gita l'a souhaité. Ő segítette, hogy az Angyal válaszolt című könyv újra hazataláljon. C'est elle qui a aidé pour que le dialogue avec l'ange puisse retrouver sa patrie d'origine. Ezért fontos számomra, hogy itt lehet most mellettem, mikor Gitta nevében próbálok szólni. C'est très important pour moi qu'elle soit à mes côtés au moment où j'essaye parler au nom de Gitta. Ha Gitta most itt lehetne, égi ajándéknak tartana a lehetőséget, hogy az angyalokról szóljon. Si Gitta était là, présente, elle trouverait que c'est un cadeau du ciel de pouvoir parler aussi de dialogue avec l'ange. Gittát mindvégig az égi erők segítették. Gitta était soutenue jusqu'au bout par des forces du ciel. Ők adták a hitet, a tiszta hűséget és a szikrát, hogy a nagybetűs Isten igazságért küzdjön. C'est eux qui lui ont donné la foi, la fidélité pure et l'étincelle pour pouvoir se battre pour la vérité qu'on peut dire avec majuscule divine. Szemben a sötét erőkkel és ideológiákkal. Face aux forces de destruction et des idéologies sombres. Oui, sombres. Az angyalok csak arra várnak, hogy segíthessenek, de ehhez tudatosság kell. Les anges n'attendent que nous aider, mais pour ça il faut une pure conscience. Gitta ezt a tudatosságot, szomjúságérzetet akarta szítani minden emberi lélekben. Gitta a souhaité d'éveiller, attiser cette pure conscience, cette conscience élevée dans chaque être humain. Tudta, ez az egyedüli út, ami örömet és tüzet lobbant az emberi szívekben, hogy soha többé hasonló ne lehessen, mint 1944 végén Magyarországon. Elle savait que c'est le seul chemin qui puisse donner joie et attiser la flamme dans les cœurs humains pour que plus jamais n'arrive ce qui est arrivé en Hongrie en fin 1944. Tisztelem Gittát emberfeletti kiállásáért. Je vénère Gitta pour son courage surhumain. De tagadhatatlan, hogy nem volt egyedül. Mais c'est certainement, elle n'était pas seule. Senki sincs egyedül, aki felmeri emelni a tekintetét. Personne n'est seul s'il peut lever ses yeux, lever vers le haut. Az angyalok mindenkire vigyáznak, és azon az úton segítenek, ami mennie kell. Les anges veillent sur chacun de nous et nous aident sur la voie sur laquelle nous devons marcher. Hogy vállalt földi küldetését emelt fővel, alázattal teljesíthessen. Pour que chacun puisse accomplir sa tâche avec la tête haute et en même temps grande humilité. Az angyalok egyetemes tanításait soha nem ismerhették volna meg az emberek a világ különböző tájain. Les humains sur les différents continents de notre planète n'auraient jamais pu connaître l'enseignement universel des anges. Hanna végtelen tisztasága. Sans la pureté infinie de Hanna. Lili és József igazságkeresése. Sans la soif de vérité de Lili et de Joseph. És Gitta küldetés tudata nélkül. Et sans la conscience de vocation de Gitta. Minden korszaknak megvolt a maga nehézsége. Chaque époque a sa difficulté. De ma, ahogy az ősi tanítások mondják, mais aujourd'hui, comme les anciennes traditions aussi soulignent, talán tényleg egy forduló ponthoz érkeztünk. Peut-être nous sommes dans un point de tournant, dans une situation de tournant. Ha mi magunk is úgy érezzük, ahogy egykor a négy barát, si nous-mêmes nous sentons comme jadis ces quatre amis, hogy valami hiányzik, que quelque chose nous manque, és fontosnak tartjuk a változást, et que nous trouvons urgent, nécessaire le changement, van segítségünk. Nous avons une aide. Emlékezzünk az angyalra, aki azt mondja, rappelons-nous l'ange qui nous dit az öröm, az új világ levegője.
La joie est l'air du monde nouveau. Fontos látnunk, hogy a legsötétebb időkben is mindig voltak olyan emberek. C'est important de voir que dans les moments les plus sombres, il y avait toujours des êtres humains. Akik nem hagyták, hogy kihunjon a fény. Qui n'ont pas laissé s'éteindre la flamme, la lumière. Ma is vannak. Aujourd'hui aussi, il y en a. Hálával tartozunk nekik. Nous leur devons reconnaissance. Akik nincsenek már köztünk, ceux qui ne sont plus parmi nous, azok emlékét pedig őrizzük mindenkor. Gardons leur souvenir pour toujours. Bien, mesdames, messieurs, cette cérémonie s'est terminée. J'espère que l'exemple, effectivement, de Gita Malash, que sa petite nièce et les nouvelles générations pourront reprendre le flambeau pour faire en sorte, monsieur l'ambassadeur, comme vous l'avez dit, que la Hongrie, comme l'Europe, comme tous nos pays, comme la France, comme tous les pays dans le monde, sauront être dignes des valeurs qu'emportait Lili, Anna, Gita, et ne pas sombrer de nouveau dans la barbarie. Je vous invite tous à venir prendre le verre de l'amitié et je vous remercie. Vous venez d'assister à la cérémonie où Gita Malas vient d'être reconnue juste parmi les nations. En quelques mots, pouvez-vous nous dire quel est votre sentiment, le sentiment qui vous habite ? C'est vraiment touché par les différents discours, par les différents conférenciers d'aujourd'hui. Et ce qui fait Gita Malas pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment exemplaire. L'histoire, c'était vraiment triste, cette histoire de la Hongrie à cette époque-là. Et Gita Malas, qui a fait vraiment un miracle, c'est quelqu'un qui a fait un travail, qui a sauvé les autres. Je pense que c'est vraiment, c'était touchant pour tout le monde. Et je suis très heureux que je peux être ici maintenant, aujourd'hui, ce soir. Ça a été pour moi d'abord un très grand plaisir de découvrir qui était Gita Malas, parce que contrairement à beaucoup de gens ici, je n'avais jamais entendu parler de Gita Malas. Et donc c'est toujours une occasion qui vous est donnée de découvrir l'histoire de quelqu'un, en plus de quelqu'un qui était donc un peu plus connu que souvent des gens qui sont des anonymes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le sauvetage, c'est le courage qu'elle a eu. Voilà. Je pense que, si vous voulez, on est souvent dans une société où on parle beaucoup, hein, on parle beaucoup, on écrit, on fait des pétitions, on proteste, on écrit les indignés, on fait des manifestations, mais à un moment donné, il faut retrousser les manches et puis il faut prendre des risques. Et c'est ça le modèle qu'il faut voir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir l'autre modèle des anges, etc. Mais je veux dire que le modèle, c'est quand à un moment donné, on sait prendre des risques et qu'on est capable de s'engager complètement. Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Pour Lily et Anna, ça n'a pas marché. Pour les 100 autres femmes et leurs enfants, ça a été formidable. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage. Pour moi, c'est ça le modèle. Voilà. Bernard Monteux, vous avez vécu proche de Gita Malas. Aujourd'hui, elle vient d'être reconnue juste parmi les nations. Quel sentiment vous habite ? La première chose auquel je pense, c'est le 20e anniversaire de sa mort. Et je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux qui soit. Que cette femme, qui était la justesse même intérieure, soit aussi reconnue parmi les justes. Et je trouve que c'est un grand moment pour cette œuvre qu'elle laisse, pour l'enseignement qu'elle a donné, qu'elle a offert au monde. C'est un grand moment de dignité, de recueillement et de sérieux autour de cet enseignement. Et j'ai été très heureusement surprise parce que j'avais peur que ça ne soit très académique, très formel, très solennel et très ennuyeux. Et j'ai trouvé que ça n'était ni l'un ni l'autre. Et que voilà, que Gita était vraiment là et que derrière son petit nuage, elle doit être très contente, avec un petit sourire narquois qu'on lui connaît bien. Le sentiment, c'est d'être déjà à genoux. Je suis à genoux dans mon cœur, moi, tout simplement, de voir le génie d'amour et la fidélité d'un être humain envers ses amis. Et pour montrer que dans des races semblables, malheureusement, il y a
des génies pour l'amour et des génies pour le mal. Et on a envie même de passer dans une machine à laver et de mettre, même si on n'est pas de la même couleur ou n'importe quoi, qu'on soit décoloré par leur amour. Toi, moi j'aurais envie d'être décoloré par cette femme, toi. Et puis par ses amis aussi, juifs, qui étaient beaux. Voilà. Alors pour moi, le fait qu'elle était reconnue parmi les justes, Gita n'aurait pas vraiment aimé cette reconnaissance parce qu'elle préférait un anonymat. Mais par contre, leur message prend de la valeur, prend une dimension, parce qu'ils ont été à la fois des êtres totalement inspirés, totalement spirituels, et en même temps totalement des êtres avec les pieds sur terre, sauvant des hommes, dans une vie sociale et matérielle forte, quoi, puissante. Et que les deux associés, c'est le message qu'elle nous a laissé. À la fois la tête au ciel et les pieds sur terre. I have a complete mixture of feelings because I know that Gita herself would not have wanted to be put into the limelight. She always preferred to be in the background. She said what is important was my friends, and she felt very bad that she was not able to save her closest friends. She preferred not to be put in the center of things. Just as she said, I'm not an author, I'm only a scribe. And so part of her would be very, very much holding off in the background and not wanting to be part of this ceremony. And another part, I'm sure, would be deeply, deeply touched, because, of course, it was a very terrible time, and at least some people were able to be saved, even if her closest friends were not. So I think the fact that these times are being remembered and her friends are being remembered would make her very, very happy. And she would have this smile that she has on the photograph that you saw on the screen. Pour moi, une des choses très importantes, c'est qu'on parle de cette situation catastrophique et que ces gens-là ont dépassé leur peur, leur dignité, ils étaient dans leur dignité, dans leur vérité. Et donc, encore une fois, c'est le message des anges, tout est possible. Ça renvoie encore à ça. Et aujourd'hui, quelle est notre responsabilité? Comment nous, on peut porter ce message? Voilà, que ça revienne à nous, à chacun chacune des personnes qui étaient là aujourd'hui. Moi, voilà, ça m'a rempli de joie et de force et ça redonne encore l'envie d'avancer vers cette vérité, quoi.